Bonjour à tous. J'ai oublié ma perche, donc vous allez me voir de très près parce que je tiens le téléphone à bout de bras et je ne suis pas très grande, donc un bras pas très long non plus. Alors hier a eu lieu le forum des associations. J'étais accompagnée du Conseil des Sages d'un côté et de l'autre c'était Action Solidaire, une association où l'échange d'un service, en récompense, on a du temps que l'on peut nous accorder à nous. Voilà, c'est une nouvelle association dont je fais partie. Alors, comment s'est passé ce forum et surtout mon action pour Septembre en or? Vous allez voir la petite vidéo, j'ai filmé l'endroit où j'étais, ce que je faisais et où les gens venaient s'arrêter pour voir un petit peu ce que c'était. Parce que comme on voyait mon matériel, on pensait plutôt que j'organisais des randos. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai pu parler donc de Septembre en or, d'informer, d'un petit peu montrer que on avait besoin de vous pour que les médias enfin s'occupent de parler du cancer des enfants. Parce que octobre rose on connaît, novembre bleu aussi, mais septembre en or personne ne connaissait. Même des personnes qui travaillent dans les hôpitaux m'ont dit mais on ne connaît pas, pourtant on est au contact des enfants. Voilà, donc j'ai eu des dons grâce à la bienveillance de ces personnes-là, des petits bracelets que Cathy de l'Action Solidaire avait fait. Je vais vous montrer ça en vidéo. Et alors à la suite, vous verrez le petit film que j'ai fait avec beaucoup, beaucoup de peine, de temps, d'heures de passer dessus pour récupérer des photos, des morceaux de vidéos pour essayer de faire un film sur le Tour de France que je voulais présenter aux Salois, aux gens de ma commune, dont certains me connaissaient un petit peu parce qu'ils m'avaient vu sur les journaux, parce qu'ils m'avaient vu sur quelques vidéos qu'ils avaient trouvées sur Facebook, et d'autres parce qu'ils sont abonnés à ma chaîne. Voilà, je vous présente tout ça, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon dimanche, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, je ne vous dis pas quand, parce qu'il faudra que je vous présente des projets lorsque je les aurai mis en place pour 2025. Bisous, bisous. We'll be right back.
suis contente. Je suis en train de pas prendre ça maintenant. Thank you.
comme vous pouvez le voir ou l'entendre, nous sommes sous la pluie, le vent et la grêle. Ça saigne les jambes. Donc on vous souhaite la bienvenue.
Coucou les abonnés. Alors je vous présente Isabelle. Isabelle qui arrive du Canada. C'est un cadeau qu'elle m'a fait aujourd'hui. Tu nous dis aujourd'hui. Là tu vas parler à mes abonnés. Ah ok, d'accord. Je ne m'attendais pas à ça. Je pense que au nom de tous les enfants malades, je suis venue vous dire merci. Au nom de tous les abonnés qui ne peuvent pas se déplacer et qui auraient tellement aimé sur le marché avec vous, je vous dis merci. Merci Isabelle. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seed while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs and voices never shared. And no one there disturbed the song. Si le cœur te fait mal, si tu ne sais plus rire, si tu ne sais plus être gai comme autrefois, si le cirque est parti, si tu n'as pas pu le suivre, amène-toi chez nous, je t'ouvrirai les bras. Je n'ai rien d'un bouffon qui déclenche le rire, mais peut-être qu'à deux, nous trouverons la joie. Si tu ne peux pas mordre dans la vie qui t'emporte, parce que c'est la vie qui te mord à chaque jour, si tu ne peux répondre aux coups qu'elle te porte, amène-toi chez nous, je serai dans ma cour. Je ne sais pas guérir, je ne sais pas me battre, mais peut-être qu'à quatre,
nous trouverons le tour. Viens. N'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux. Si les ruisseaux savent trouver la mer, peut-être trouverons-nous la lumière. Si tu cherches à comprendre le chemin qu'il faut suivre, si tu cherches à savoir ce vers quoi tu t'en vas, si tu vois ton bateau voguer à la dérive, amène-toi chez nous, j'aurai du rhum pour toi. Je ne suis pas marin, je vis loin de la rive. Et peut-être qu'à ça, nous trouverons la voie. Si tu t'interroges sur le secret des choses, si devant l'inconnu, tu ne sais que penser, si on ne répond pas aux questions que tu poses, amène-toi chez nous, je saurai t'écouter. La vérité m'échappe, je ne sais pas grand-chose, mais peut-être qu'à mille, nous saurons la trouver. Viens, viens. N'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimente le creux des ruisseaux. Si les ruisseaux savent trouver la mer, peut-être trouverons-nous la lumière.